Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo bien spéciale. J'ai reçu donc mon petit cadeau de Noël, une petite caméra sport. Voilà, donc la Y8, qui est, on va dire, comme la GoPro en fait, le même style, qui utilise les mêmes choses. Alors, beaucoup disent que c'est le fake de la GoPro. Non, faut savoir une chose, c'est que moi, GoPro, c'est une marque, on est d'accord. Après, voilà. Rien n'empêche les autres sociétés de faire des caméras qui ressemblent à la GoPro, qui utilisent les mêmes fixations que la GoPro, et de faire de très bonnes petites caméras. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous faire l'unboxing donc de cette petite caméra Y8. Une caméra sport, donc full HD. Elle filme en H264, donc voilà. Elle est waterproof jusqu'à 30 mètres. Voilà, elle existe en plusieurs coloris. Moi, j'ai pris la noire. Et elle a également le Wi-Fi qui est pas mal pour avoir un retour sur son téléphone portable de l'image que l'on filme. Donc le Wi-Fi est à 20 mètres et elle a une ouverture d'angle de 140 degrés, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, là ce que je vois derrière, elle est multilangage, à micro SD non incluse, mais bon ça c'est pas gênant. Batterie 900 mAh, 1,5 heures, ils disent, donc je pense qu'une heure et demie de batterie, c'est largement suffisant pour faire des vidéos. Qu'est-ce qu'ils disent? Bah oui, exact. Bon, ça, on va voir après. Mais bon, je place la caméra et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Et nous revoici donc pour l'unboxing. Alors, j'ai déjà ouvert la caméra. Malheureusement, tout est déjà sorti. J'avais déjà fait une prise de vue en fait pour l'unboxing. Le problème, c'est que je faisais pas gaffe à ce que je faisais. Et il y a la moitié de l'unboxing qui passait hors champ caméra. Donc, je vous ai tout mis sur la table et on va voir donc ce qu'il y a exactement dans cette petite boîte de la caméra sport Y8, donc de style GoPro et qui utilise également tous les systèmes de fixation comme la GoPro. Alors, tout d'abord, on a la caméra dans son boîtier étanche, donc qui est plutôt de bonne manufacture. Hein. Pour ouvrir, il faut juste ici la tirer comme ceci et lever. Alors, c'est plutôt costaud. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi solide que ça pour le prix que je l'ai payé. Ah, attendez, il y a un petit film protecteur derrière. On va l'enlever. Voilà. Et dedans, nous avons la caméra. Alors, la dite caméra qui fait Wi-Fi, 30 mètres de profondeur, full HD. Donc, qui est plutôt pas mal. Sur le côté, là, nous avons l'entrée pour mettre la caméra, la carte mémoire. De la mini HD, enfin mini USB et mini HDMI. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Ici, là, voilà. Derrière, nous avons un petit écran de contrôle. Ici, les touches pour sélection, la touche pour allumer et là devant, la touche mode photo et vidéo. Voilà. Donc, qui est plutôt pas mal. Et le boîtier étanche qui est plutôt bien costaud. Ouais, lui, voilà, ça m'a apparu avec tous les boutons sur les côtés qui fonctionnent. Et qui sont plutôt pas mal. Alors, on va refermer ça. Voilà. Alors, en dessous, nous avons déjà, comme vous pouvez le constater, je vais dévisser. Donc, nous avons déjà une griffe comme ça de maintien, mais vous pouvez l'enlever et grâce à cette fixation, hein, ici, là, vous voyez, qui est comme la GoPro, vous pouvez la fixer sur tous les autres supports que je vais vous faire voir. Alors, je vous dis tout de suite, il y en a certains, je ne sais pas encore à quoi servent ces supports, mais on va essayer de voir ça ensemble. Alors, je resserre ça et je vous dis ça tout de suite. Alors, on va commencer par les sangles. Donc, je crois que nous avons des sangles poignées. Nous avons ici une sangle, je pense, pour le casque ou pour mettre sur casque ou sur autre chose. Et ici, nous avons quoi? Alors, rassurez-vous, ces petites sangles-là, moi, personnellement, je ne vais pas trop les utiliser. J'ai commandé, à côté que je n'ai pas encore reçu, tout un kit de sangles et d'attaches, encore en plus GoPro, qui normalement devrait arriver d'ici quelques jours, voire peut-être dans la journée, ce qui serait pas mal. Ensuite, nous avons ici une petite griffe avec un pas de vis, enfin, avec une vis, qui va nous permettre, par exemple, pour cet accessoire-là, qui est un accessoire dans lequel on fixe la caméra, qui va nous permettre donc de fixer la caméra dedans et de pouvoir installer, donc vous voyez ce petit pas de vis en dessous. Et grâce à ça, on va pouvoir par exemple avec cet accessoire-là, celui-ci que j'ai là dans les mains,
Le fixer par exemple à. Alors, ça, c'est trois accessoires en un. Hein. Je les ai déjà montés tout à l'heure. Je les ai pas démontés, mais en fait, ça sont trois accessoires en un qui permettent d'avoir, comme vous pouvez le voir, des angles différents. Et en fait, fixer à celui-ci, ça peut me permettre, par exemple, si la fixation elle est comme ça peut me permettre de redresser la caméra. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'avantage de ce système de fixation. Ensuite, nous avons encore une fixation ici avec un petit pas de vis en dessous que je vais mettre avec celui-ci. Avec un petit pas de vis en dessous. Donc ça, c'est une fixation toute simple. Donc je ne sais pas trop à quoi elle va servir aussi. Elle peut servir également juste de fixation simple pour les attaches voitures. Je pense que je vais souvent l'utiliser celle-là, mais dans ma voiture en fait. Peut-être. On verra. Nous avons la prise secteur USB avec le cordon USB d'un côté et mini USB de l'autre. Voilà, pour la recharge. Nous avons, alors ça normalement, ça ne devait pas y être. C'est un deuxième couvercle étanche. Pour remplacer le premier, si jamais le premier casse, ils ont un deuxième couvercle. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc, deuxième petit couvercle. C'est plutôt sympa. Une fixation pour tout ce qui est vélo, tout ce qui est moto, tout ce qui est guidon, tube et tout ça. Avec une. Alors, je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Alors, je vais dévisser. Voilà. Mais l'intérieur, il y a une moumoute. Ce qui est plutôt pas mal parce que par rapport à d'autres fixations que j'ai vues sur le net où il n'y avait pas de. Vous voyez ici, là, il y a une sorte de gaine en caoutchouc qui fait que ça ne glissera pas. J'en ai vu d'autres, moi, sur Internet, où il n'y avait pas ce petit truc-là, et franchement, ça a abîmé non seulement le véhicule, le tube sur lequel était fixé cet accessoire, mais en plus de ça, ça a abîmé l'accessoire également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons une sorte de petite griffe comme ça de remplacement, qui est à peu près la même que nous avons déjà là-dessous, sous la caméra. Voilà, qui est à peu près la même, hein, quand on regarde. Et ces griffes-là, en fait, se fixent. Cette griffe-là, en fait, j'ai remarqué. Je crois qu'elle se fixe sur ce support-là. Et en fait, je crois que ces supports-là, c'est fait pour mettre sur les voitures ou en hauteur. Voilà. Il y a juste à clipser comme ceci. À faire glisser, voilà, comme ceci. Et ça se clipse dessus. Voilà. Alors, ces supports-là. Voilà. J'en ai un là. Sans pas de vis à l'intérieur, juste avec un troisième en dessous. Mais là, j'en ai un deuxième de remplacement au cas où, hein, avec un pas de vis à l'intérieur qui permet également de le fixer, si on veut, sur un trépied. Voilà. Nous avons la petite lingette pour nettoyer la caméra. Voilà. Nous avons la petite pince qui est plutôt pas mal, qui est plutôt cool. Alors, cette petite pince-là, elle se fixe normalement, je crois, aussi là-dessus. Non, elle se fixe pas là-dessus. Alors, je ne sais pas à quoi sert. J'ai pas trouvé où est-ce qu'elle se fixait. Mais tout ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une petite pince. Alors après, sur quoi la fixer, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je regarde. Est-ce que ça se fixe là-dessus? Non, bah non. Donc, j'en sais rien. Je sais pas où elle se fixe. Mais il y a une petite pince qui est plutôt pas mal. Peut-être qu'on peut la fixer. J'en sais rien. Faudrait que je vois. Et avec ça, nous avons donc deux sachets. À la base, il devait y en avoir qu'un, mais là, grande surprise, j'ai déjà une protection d'écran en plus. Et j'ai un deuxième sachet, donc avec des doubles faces 3M. Donc, ce sont des doubles faces pour fixer justement sur les casques, les voitures ou autres, pour les coller. À ça, nous avons du colson, qui est plutôt pas mal, et des petits cordons de secours au cas où la fixation lâcherait, en fait. Vous voyez, nous avons des petits cordons de secours là, qui fait que la caméra sera retenue. Et j'ai deux sachets comme ça. Et pour finir, nous avons donc la notice. Qui n'est plus en chinois ou japonais, mais qui est en anglais. Donc beaucoup plus facile pour utiliser. Ah voilà, là, attendez, là, j'ai un petit peu tout ce qui est expliqué sur la notice, justement, je regarde. Je regarde si je trouve la pince. Cette fameuse pince, ben non, ils ne disent pas. Ils disent pas comment la fixer. Enfin bref. Voilà, sur ce. Je vous dis à tout de suite. Bon, pour vous, ça va être à tout de suite, mais pour moi, ça va être dans quelques temps. Parce que le temps de configurer cette petite caméra et de faire les premiers tests, eh bien, voilà. Donc, bah, à tout de suite.